Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on va continuer la suite de la carrière. Bon, je suis en plein match. Je suis obligé de relancer OBS parce que mon OBS a crash au tout début du match en voulant régler un problème de son. C'est pas ouf. Et j'ai pas envie de faire un combiné de montage, je sais pas quoi. Du coup, la compo, j'ai mis ça. Enfin, c'est la compo de type. Là, j'ai encore laissé 6 minutes. Du coup, je vais jouer les 6 premières et après, ce sera la le mode en tactique. Voilà. C'est tout. Voilà, ça c'est un bon centre. Et le poteau Ah oui, du renvoie la coup, balle, c'est pas fini. ouais, c'est vrai que. Attention à cette frappe et la bonne parade du gardien. À nouveau son CBE là. Par contre, quand il prend pas tes bons joueurs là, ça va pas le faire. Je vais pas m'énerver encore, mais. Ça S'y sort, c'est mettre. corner. Ah ouais? Ah, je pense pas. Je pensais pas, mais du coup, si. Oh. Et il vient fixer dans l'axe. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Et voilà, c'est un profil incontournable dans cette équipe. On s'attend à une Oh, je bonne suis trop saison con. de sa part. Sa caractéristique, on la connaît, c'est sa lucidité, sa précision, son aptitude à être dans le bon endroit avec le geste juste, ses qualités de... Ah oui, bien joué, là, attention! Et le gardien Je t'ai fait s'ouvre en trop bien. mal, Baron, c'est effrayant. Il y a un peu d'espace dans l'axe. Hors-jeu. Oh, c'est mal renvoyé! Eh non, ça s'arrête là finalement, position de hors-jeu. Matteo Darmian. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Vraie faute, et l'arbitre là qui indique un coup franc. Mais. Voilà une bonne Oh, d'accord. défense. Et Prends ballon ton joueur! toujours dans le camp Mais. adverse. Un tir puissant, mais ça frôle le Pfff. poteau. Ça va pas le faire, ils prennent pas les joueurs. Ah, bien sûr, il y a faute, c'est mal défendu. Ah merde. Récupération du ballon. Prends pas les joueurs que. Ok, là oui, c'est bon. Bonne progression dans le camp adverse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, c'est contré. Darmian. Il faut un pressing. Oh, c'est fou là. Arnautenas. Ah, mais non, mais il est derrière. Ouais, bien joué. C'est une bonne percée là dans le camp adverse. Ouais, bien joué, bonne intervention. Wesh. Pourquoi j'ai fait ça? On voit que l'équipe visiteuse a pris le match en main depuis une quinzaine de minutes. Et c'est le signe que l'équipe a décidé d'accélérer le rythme pour essayer de prendre l'avantage. Ah, le porteur est sous pression. Non, il est hors jeu. Ouais, l'arbitre Pourquoi je l'ai siffle pour fait? cette position de hors-jeu. Le ballon est récupéré. Une balle jouée en profondeur. Ouais, superbe défense. Alors j'ai forcé le tir, j'aurais dû faire un crochet au moment. Se détacher dans ce match. Romero un moment. Corner, le public y voit même l'occasion de prendre l'avantage. Oh, je sais pas les tirer. Dans la surface, c'est un penalty. Et peut-être le 1-0. Ouais, mais je sais pas les tirer. Et sur les pénaux, j'appuie sur paramètres. Paramètres de jeu.
Ah, c'est marrant, mais je sais pas les tirer, frère. Quand j'essaye, j'y arrive pas. Je sais pas. Oh là là, c'est manqué, la frappe passe vraiment très loin du but. La position, l'équilibre du corps au moment de la frappe n'est pas adéquat. Hugo Douro. Ouais, le ballon est bien intercepté. Ça me perturbe avec les noms. Tacle mal maîtrisé. L'arbitre s'approche et le carton ne serait pas immérité. Et l'arbitre qui finit par lui donner le carton jaune. Ouais, c'est vraiment pas une surprise, hein, compte tenu de son attitude très agressive depuis le début du match. L'arbitre l'avait déjà averti verbalement. Et c'est un ballon perdu par les Senators. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Oui, la frappe. Et quelle intervention! Je vais l'enlever. Ballon récupéré très haut grâce à ce bon pressing. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Oh, le jeu il est bugué, frère. Et Le voilà, jeu il est bugué. L'ouverture du score, amplement mérité. Par contre, je comprends pas pourquoi. La palle au rond du pédo. Je cherchais sa rondelle après, mais pendant que ça joue. Une bonne transversale pour renverser le jeu. Je suis trop con, la vie. L'orienter. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Et le centre en retrait dans la surface. Et le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Et au final, cette attaque s'arrête là. Pour Colombo. Le ballon est récupéré sans commettre. Mais pourquoi tu fais ça, Colombo? J'ai à la droite. Lopez. Là, il y a un coup de sifflet. C'est un hors-jeu. C'est une dinguerie, frère. Il fait pas ce que je veux. J'en ai déjà marre. Voilà, c'est annoncé. Une petite minute de temps. Ouais, bon, d'accord. L'attaque se poursuit, balle au pied. Une possibilité là pour centrer. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. Allez, c'est reparti. Deuxième mi-temps. Et pour les Sénateurs, il y a toujours ce but de retard. Je vais chercher son hôtel. Frère, j'appuie sur Y, ça appuie pas. Putain. Non, c'est une dinguerie comment mes joueurs ils passent trop simplement et moi j'arrive pas à passer. Attention, méfiance avec ce centre. Ballon bien renvoyé. Attention, la faute est pénalty. Encore un péno, super. L'arbitre n'hésite pas, c'est une balle d'égalisation. Et non, pas de carton sur cette action. Et ça rentre, très bien frappé ce pénalty. Et non, le ballon qui surprend complètement à contre-pied. Et le plongeon qui partait de l'autre côté,
Je me demande d'ailleurs s'il n'est pas parti un peu trop tôt. Et avec ce but, score de parité, un partout. Lopez. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Ah, il faut centrer là-dessus. Allez, hop, c'est dégagé. On prend pas de risque. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Ah, du mouvement pour exploiter ce ballon. Ballon contré, mais ça revient. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Le sauvetage ! Et non ! De toute façon, une position de hors-jeu a été signalée. Et un petit rappel, avec cette prochaine affiche qui nous attend. On va voir du bon football, c'est excitant. Je l'ai noté déjà dans mon petit carnet. L'occasion de prendre l'avantage. What the fuck. Le but pour le doublé. Ah ok, en quelle plus. Quelle réussite, quel sens du but. Sa forme est étincelante et ça nous donne des frissons. Ouais, donc je suis vraiment nul à chier en fait au jeu, c'est trop grave. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Ouais, c'est bien fait, la protection de balle. Ah, il lève bien la tête. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Il revient fixé à l'intérieur. Ballon bien dégagé. Alors au programme, il y aura du football italien à suivre ensemble avec la Serie A. Sassuolo affrontera l'Udinese. Et oui, le football, c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête de football. Allez, il faut essayer de faire bouger ce bloc. Et voilà. Directement dans les mains du gardien. Et le ballon est récupéré sur cette interception. En bonne position. Et la frappe part bien. Et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour alourdir la note. Et donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match.
Ah, le porteur de ballon a besoin de solutions. Une possibilité là pour centrer. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Caillot Georges. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Le centre directement sur le premier défenseur. Lopez. Hugo Duro. L'orienté hérite de la balle. Lopez. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Caio Georges. Ouais, bien fait la différence qui est faite là-dessus. Ballon récupéré dans le camp adverse. L'arbitre demande aux équipes de poursuivre, mais pour les supporters, c'est clair, il y avait faute, donc penalty. Et le bon centre là, peut-être. Oui, il y a faute, bien sûr. Et coup franc accordé par l'arbitre. Et le changement est demandé et il a lieu. Et il vient repiquer vers le but. Oh oui, c'est bien joué. Oh oui, la frappe. Oui, joli réflexe. Le corner bien tiré, bien joué de la part de la défense, le danger est écarté. Oui, il faut frapper maintenant. Incroyable parade sur cette action. Quel réflexe, quelle présence, vraiment une intervention de très grande classe. Corner. Allez, c'était intéressant, mais ce ballon est perdu. C'est fini, l'arbitre met maintenant un terme à ce match et donc l'équipe qui reçoit s'est imposée. Deux buts d'écart à la fin du match, une juste récompense pour cette magnifique prestation collective. Est-ce qu'on a vu de sa part aujourd'hui, c'est absolument prodigieux. Poésie, magie, romantisme, il y a tout dans sa performance du jour. Son aisance, sa fluidité, son intelligence a mené son équipe à la victoire. Bon, j'ai pas trouvé. Oh, 3-3. 0. En fait, j'ai une idée de regarder. Darmian, c'est pas grave. Darmian. Ouais, mais lui, c'est chiant, on peut pas le prendre. Pas contrat, pas content, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Et en prêt, frérot. Alors, sauvegarder. T'as déjà save. Et dans paramètres.
Attends, quoi? Ça veut dire quoi, ça, en mode? Les stars de l'équipe de l'IA se montreront plus intelligentes quand elles seront contrôlées. J'ai pas compris. Pas compris. Ah là, compétitif. Tiens. C'est dans quoi? J'ai jamais rien touché là-dedans, donc. Bah, c'est où? Y'a pas là? Putain, fais chier. Pas là, peut-être? Je sais pas où c'est. Je sais pas. Attendez, je vais prendre les paramètres d'un mec, parce que justement il était là-dedans. Alors. Compétitif, d'accord. Attendez, je vais reprendre de là-haut. On va lui faire confiance. Semi-semi avec assistance. Lui met semi là-dessus. C'est plus dur du coup, ça veut dire. Et mes assistances. Alors ensuite, il fait quoi? Verrouille receveur passe, après il met normal, après il met directionnel, manuel. Ah oui. Aérien et errant. Faible. Ça veut dire quoi ça? Ah ouais, mais non, mais du coup,
Ça qui me baise à chaque fois. Ok, avec. Allez, mais 100. Tu le sais avec. Drip sans contact, oui. Ensuite, il met quoi? Semi. Analogique, il met non. Bah, du coup, c'est mieux de mettre oui là en fait. Parce qu'il vient d'expliquer que c'est mieux de mettre non. Mais c'est clairement mieux de mettre oui, en fait. De ce que je lis. On va mettre non, puis on verra. Je vois pas où c'est, hein. Par contre, hein, c'est chiant. Pour les pénaux, c'est chiant en fait. Mais bon. Okafor qui est premier. On a égalité avec Lautaro. T'as Jackson, putain, c'est. Et c'est pas mal, hein. On va changer des joueurs. Or Darmian, il veut pas jouer déjà. Je remets aussi un peu plus parce que comme ça il sera content. Alors là il est écrit content mais voilà quoi. Est-ce que je fais jouer un autre joueur? Lui, on va le reposer un peu. Faut voir s'il faut qu'il joue un peu, donc ouais. Mais non, si je mets les deux, ça va pas être bon. Envie de mettre Cazadeï. Bah, il rentrera. Bon, on fait ça. Il rentrera, ouais. Maintenant, c'est l'heure des choses sérieuses. C'est l'heure de vérité. Décollage dans quelques secondes. Voilà, c'est parti. Le coup d'envoi. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Simon avec le ballon. C'est donné en retrait. Goal! Déjà un but idéal pour lancer ce match. Attends, les bâtards. Ça promet pour la suite. Et voilà, on le dit toujours, le centre en retrait. Ouais, il est en retard. C'est idéal parce qu'il est très difficile à défendre. Et à la conclusion, tu mets tout ton courage, ton cœur, ton enthousiasme. Ça donne un but avec une belle valeur esthétique. Et pour amorcer une attaque là, les Sénators. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Et c'est dangereux ce ballon, mais ça sort en corner. Vers la surface,
Long ballon aérien et du coup la défense écarte le danger. Et il prend le dessus sur l'adversaire. En regardant le classement, on se demande ce que fait l'AC Milan à ce niveau. C'est vraiment pas ce qui était prévu pour les Milanais. En début de saison, tout le monde s'imaginait que le championnat était déjà joué d'avance. Mais on le retrouve maintenant à batailler pour accrocher un titre de plus en plus difficile à obtenir. Simon avec le ballon. Olé, belle technique là. Ah, le public attend une frappe. Eh ballon récupéré sur cette bonne intervention. Un bon appel le long de la ligne de touche. Et le bon centre là peut-être. Pour Colombo. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Je viens de lire tout un forum pour au final rien avoir d'important. Super. Sur un autre terrain, c'est dans le match de l'Inter. Oui, Benjamin, c'est le premier but en faveur de l'Inter. Un but inscrit par Lautaro Martinez sur une belle reprise de volée. Ça fait donc un but partout. On joue la 30e minute du temps réglementaire. Ah, c'est bien noté. Merci Laure. Tenez-nous au courant. Le ballon pour Moses Simon. Dia. Bien défendu dans sa propre surface. C'est bientôt la pause, là on voit le chrono et pour l'instant l'équipe en déplacement est menée au score mais l'écart est minime. Vous pouvez être sûr que le staff a tout étudié, tout comptabilisé, tout analysé. Les consignes tactiques vont être importantes. Tout est encore possible dans ce match. Un but de retard, ça se rattrape. Oh, ça peut aller au oh but. Bien joué Hector. C'était le but de l'égalisation et c'est raté. Dommage. C'est assez incompréhensible. Ballon rendu à l'adversaire sur la relance, ça pourrait profiter. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Alors, sans vouloir lui porter la poisse, évidemment, pour l'instant, il faut le souligner, sa prestation, elle est enthousiasmante. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Une possibilité là pour centrer. Et le centre vers le second poteau. Pas assez appliqué ce centre. Et c'est donc une sortie de but à vue. Au programme et bientôt donc cette rencontre qui s'annonce très intéressante. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. Attention, un but vient d'être marqué, c'est dans le match de la Fiorentina. Oui, c'est ça, il s'agit du premier but pour la Fiorentina. Ça fait donc un but partout, alors qu'on joue... En bonne position pour égaliser. Eh ouais, le bon geste défensif, sans commettre de faute. Désolé de vous avoir coupé le sifflet comme ça. Et donc une confirmation de ce but en faveur de la Fiorentina, ce qui ramène maintenant le score à un partout. Et voilà ce match à vivre bientôt ensemble et on a hâte de vous faire vivre tout ça. Deux équipes très intéressantes,
Pour tous les amateurs de football, ça nous promet un match vivant, effervescent même. L'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Putain, mais il y a zéro info, c'est ouf. Très bonne couverture du ballon. Le bloc reste bien bas pour obliger l'adversaire à monter. Projection vers l'avant pour les Senators. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Oula, il y a. Et la balle pour Moses Simon. Et on lève la tête, là peut-être un centre. Le ballon pour Moses Simon. Et le gardien qui écarte bien le danger. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. La frappe, ça part bien. Mais pour le gardien, là, c'est une affaire facile. J'avoue, Esposito, je l'ai pas fait jouer le match d'avant. Pire, je vais mettre les deux. Hector, on va le laisser. Vas-y, on va quand même le faire rentrer, c'est pas grave. Les Senators qui peuvent se projeter. Allez, Kenan. But. Oui, la frappe. Ouais. Oh, le but et l'égalisation sur ce ballon. Voilà une belle preuve de caractère. De retour dans ce match. Et tant mieux pour le spectacle. Le changement est demandé et il a lieu. Dia. Et attention, il y a une alerte du côté de San Siro. Un but marqué, me dit-on. Oui, Benjamin, c'est le deuxième but pour l'AC Milan. On en est donc à 2 buts à 1 après 79 minutes de jeu. Ouais, merci Laure pour l'info et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Occasion de la dernière chance, peut-être le but du chaos sur cette conclusion. Il faut centrer là-dessus. Le ballon pour Javi Puado. Puado avec la balle. Oula, il y a pas trop de difficultés sur cet arrêt. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Oh, c'est bien wesh. Oh là là. Putain, t'es trop fort. Champion devant le secteur. Et cette fin de match avec un but qu'on n'attendait plus et qui vient leur offrir la victoire après tant d'efforts. Et ouais. Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Faire simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus beau aussi. De ce match avec 3 bons points de gagné à l'extérieur. Une fin de match complètement folle qui leur a permis de l'emporter au dernier moment. Une victoire très importante pour le mental, sans aucun doute. Et pas grand chose à dire à son sujet, si ce n'est quand même pas mal de compliments. Quand on repense à sa performance, tout est plutôt bien passé. C'est un bon match de sa part et de toute l'équipe. Il y a encore de la marge, mais c'est déjà pas mal.
J'ai pas compris, frère. Genre, j'ai pas compris les pénaux. Je viens de lire une vidéo là, j'ai pas pigé. C'est pas grave. Anzitutto la ringrazio per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Ringraziamo il mister per le. Udinese. Putain, on est loin de la place européenne. Hein. Elle a trop perdu. Chier. Voilà, oh, la Juve, ils sont. Wow. Ils sont repassés 3ème la Juve. Putain. Naples, Rome, Milan. Affreux. Bah, ils ont l'ordre de pas fondi, ouais. C'est sûr, il y a les séries, le cinéma, les jeux vidéo, les spots, les sorties, tout ça. Mais au-dessus, il y a le Pistons, ce football qui nous accompagne, le foot qui nous procure tellement d'émotions qu'on finit tous par parler comme Omar Da Fonseca. Viva el football, allez là, faites-nous vibrer, transmettez l'émotion, la passion, la pelota. Qui va l'emporter? C'est la grande question et on va voir ça tout de suite. Et c'est parti dans ce match. La compo des Senators. Et voilà la compo officielle de cette équipe. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Ballon vers le premier poteau. Oh, c'est contré! Le corner. Ah, pas évident à négocier ce corner, mais le gardien s'en sort très bien et capte le ballon. Et une possibilité là pour centrer. En retrait dans la surface. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, voilà. Magnifique. Un but très vite dans cette rencontre. Quelle belle manière de débuter ce duel. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Avec un peu de chance sur ce côté. Je vais essayer un truc. Attendez. Je vais essayer un truc. Entre un jeu. C'est bien défendu. Il y a au moins 3 équipes en 6 points en haut du classement dans la dernière ligne droite de la saison. C'est assez incroyable comme scénario. Effectivement, ça nous promet des matchs extrêmement animés avec énormément d'émotions. Beaucoup d'émotions, mais sur le terrain, il va falloir maîtriser ses nerfs. Attention à l'excès d'excitation. C'est la sérénité qui fait que tu remportes des titres. Et il remporte son duel, bien défendu. Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué.
Camara avec le ballon. À l'équipe essaye de construire sans se précipiter pour combler le but de retard. Oh, mais quelle parade! Attends, il fait une parade là? Pour moi, il est juste pas cadré. Hein. Ah, le corner bien tiré, sans aucune difficulté pour le gardien. La faute est signalée par l'arbitre. Franck. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Ballon dangereux en profondeur. Bien placé pour conclure peut-être. Et le gardien qui est carré. Je peux pas aussi faire ce que je voulais. Ah, il y a un bon pressing. Ndidi. Et c'est récupéré ça. Ah, t'as littéralement pas fait ce que je voulais. Ah, la frappe pour l'égalisation peut-être. Sans aucun effort pour le gardien. Et attention parce que là on me signale un but. C'est dans le match du Milan. Oui c'est ça. Il s'agit du premier but en faveur de l'AC Milan. Un but à zéro donc. Et on joue ici depuis 34 minutes. Ouais, merci Laure pour l'info et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Ouais, oh, faute là. Évidemment que l'arbitre a vu la faute, c'est donc un coup franc. Il y a du monde en soutien. Et duel remporté dans la surface. Mais pourquoi il fait ça? Bon, c'est but. En position idéale. C'est pas ce que j'ai fait. Pas grave pour changer hein, ce connard là. Complètement asphyxié par la pression et ça donne ensuite un bon ballon et un but. Oh la faute là sur ce tacle, attention, que va dire l'arbitre? C'est pas rouge, c'est jaune. Et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. C'est la décision. Ah oui, c'est pas rouge. N'est pas maîtrisé, attention, oh, c'est dedans. Pourquoi il est sorti ce con lâché, et derrière, ça ne pardonne pas. Oh, mais espèce de con. Oh, mais et vas-y, c'est jusqu'à la fin, j'ai pas envie de le jouer. Attendez, je vais essayer un truc. Tire de loin, c'est où ça? Apprendre à jouer. Ah oui, non mais d'accord, mais si ça marche pas aussi. Juste essayer un truc. Je sais que c'est le mauvais geste, je m'en bats les couilles. Ah, ça envoie des vraies mines en fait. En fait, je vois la différence. On la voit à peine la diff. C'est marrant, il fait un derby. Attendez, je sais que je suis plus sur la carrière, mais là j'essaie de voir un truc. Penalty, moi je veux comprendre. Ah, le spécialiste des pénaux, super. Pourquoi ? J'ai pas ce truc. D'accord, mais j'ai pas le rond en fait. Bon, là je l'ai raté par exemple.
Non, putain, non, en fait, non, il est en lucarne. Là, par exemple, si je fais comme ça. Raté, ouais. Comme ça, il est pas mal. Mais bon, là, c'était beaucoup trop fort, ok, logique. C'est quoi le dosage, le bon dosage? Ouais, c'est pas plus de 2 barres en fait. Pas plus de 2 barres en fait. Oh, c'est comme ça qu'il tire Rochon à Cannes. Comme ça là. Non, pas comme ça. Ah ouais, passe dehors là. Puis-je pas, frère, c'est chiant. Et j'ai pas le rond en fait. J'ai compris qu'il faut que ce soit le plus bas, ça, ok, mais. Ah, j'ai pas en fait. Bon, moi je sais pas. Ah, du coup, le match j'ai perdu 3-2, j'ai regardé. Donc, la place européenne, on l'aura pas hein, cette année. On enchaîne avec l'AC Milan. Oh putain. Kayade. Ah, on peut se le chourer lui. Bah lui, ça va être une mission de cet été, à mon avis. Oh putain, Milan puis Rome. Oh putain. Et c'est fini. Ah ouais, bon, on va le jouer les deux au pire. Faire la fin de saison avec nous. C'est quoi leur... Tiens, on va jouer. Alors comme j'avais fait... T'es là pris un point lui, c'est cool. Non, Darmian... Ouais, Darmian va être là. On va être Fiori. Ouais. Merde, j'ai mis 4 minutes. Salut à toutes et à tous, on est bien installé ici dans les tribunes du mythique San Siro. Au commentaire de ce rendez-vous, Benjamin Da Silva est le vrai génie, le seul génie argentin, j'ai nommé Omar Da Fonseca. Et nous sommes très heureux de retrouver le foot italien et ce match de Serie A. Il y a de l'électricité dans l'air, c'est ça l'atmosphère des grands événements. Quel plaisir de vous retrouver pour ce match. Vous êtes quand même 50% de la team Dada. Mais il vous manque encore 1% pour être majoritaire, hein. Le 11 au départ, côté Rossonero. Ah, donc on découvre la compo des Senators. Putain, j'ai complètement raté ce que je voulais faire. J'étais laissé encore sur l'autre joueur, MTR. Salmakers. Oh, Darmian, il est aussi haut. Oh, la frappe. Oh, et la parade. Grosse. Un corner qui est bien ajusté. Très bonne sortie. Et un ballon qui ne m'échappe pas malgré la pression. Merde, il est revenu, j'avais pas vu. L'AC Milan aborde ce match avec une stat assez impressionnante. C'est la meilleure défense du championnat.
Ah ouais? Le travail défensif est effectué de manière aussi précise. Ce n'est pas vraiment étonnant de voir les... Oh, le tir! Et ça part fort! Avec ce but d'entrée de jeu, c'est prometteur pour ce match. J'ai pas voulu tacler. J'aurais dû. Oh, ce cafard en plus MDR. De l'Inter Milan. Oui, oui, Benjamin, c'est le premier but en faveur de l'Inter. Un but à zéro donc, après 14 minutes de jeu. Oh, Inter Lazio. Tenez-nous au courant pour la oh, t'es-y. Ah, mais d'accord, mais je sais pourquoi Darmen est remis à droite. C'est pour ça qu'on a pris le but. Salmakers. Et maintenant Théo Hernandez. Il peut tenter sa chance. Il était tout seul. Quel raté aussi. Moi, c'est possible. Parce que ce but d'avance est fragile. Il va falloir rapidement alourdir l'addition pour ne pas voir revenir leur adversaire. Et on en a entendu parler un peu partout avant ce match. Orenzi. À son sujet. Ok. C'est une figure incontournable de la vie de ce club depuis très longtemps maintenant. Malheureusement, et j'appuie. À la fin de cette saison, oh. C'est la retraite. Qu'est-ce qu'on ressent dans ce genre de cas? Non mais vous rigolez, vous me demandez ça parce que je suis vieux ou quoi? Effectivement. Plus vieux peut-être, mais surtout plus grand, plus costaud et plus rigolo que vous. Ça c'est vous qui le dites. Et petite séquence de tiki-taka avec ce redoublement de passe. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Et le gardien en difficulté sur ce ballon. Oh mon con. Ça peut s'avérer très dangereux. Et le but. J'aurais dû dégager. Oh, le but de gag, je suis trop con. Le but, il arrive juste après une grosse seconde de pressing sur la relance. Pour Colombo. Ah non mais frérot, si tu vas pas sur la balle, genre tu veux que je fasse quoi? Oh putain. Ouais, c'est tombé, allez. Tu vois, c'est Milan, hop. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon, vas-y, écoute. Non mais ils sont nuls les gardiens, enfin les gardiens de là-bas là. Tiens, on va prendre lui, mais vas-y, il est nul hein. Ah non, Milan est passé 3ème. Putain, la Lazio, ils ont perdu 8 matchs. Ils avaient trop bien commencé. Mais c'est ah oui, du coup, c'est le dernier match. Non, par contre, si la Juve elle remonte. Effrayant si la Juve elle remonte. Voilà, si l'Inter perd et que la Juve gagne. Attends, c'est quoi leur match? Inter Sassuolo, la Juve. Ah, c'est un match piège, Sassuolo. En plus, cette année, c'est la seule défaite de l'Inter. Hein. MDR. Ouais, bah, au coup de jour de match. Hein. Ah, c'est vrai que ça joue en 3-4-2, hein, j'avais oublié. Roma FC. C'est quoi que je voulais? Je sais même pas. Maintenant, c'est l'heure des choses sérieuses. C'est l'heure de vérité. On y est et on arrive tout de suite. Voilà, le coup d'envoi de cette première période.
La compo des Sénateurs. Et voilà donc la composition de cette équipe. Un jeu offensif contre eux. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. On va faire ça. Et on va faire ça. Putain. Allez, bâtard. Qu'est-ce que c'est, les châteaux, sérieux? Putain. Dommage. Pour amorcer une attaque là, les Sénateurs. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Chris Smalling. Attention là, parce qu'il y a un but qui vient d'être marqué. Ça concerne le match de l'AC Milan. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but en faveur de l'AC Milan. Un but signé Raphaël Léao, ce qui montre bien ses qualités de finisseur. Un but à zéro donc. Et dans le match contre nous, Léao, je l'ai pas vu. Ok, alors c'est noté. Merci pour l'info. Même si l'équipe est menée au score, elle fait preuve de patience pour trouver la faille. Oui, bien défendu. Golovin. Ndika. Aouar reçoit le ballon. Chris Smalling. Julian Alvarez. Ah, sous pression, mais excellente couverture. À l'occasion de faire parler sa frappe. Et la belle parade là. Oliz. Et ça joue vers Alexander Golovin. Intervention là du gardien. Et c'est vers Wissem Aouar. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Pur ça. Ouais non, c'est perdu là par les Sénateurs. Ouais, c'est balancé là vers l'arrière. On va le récupérer très haut grâce à ce bon pressing. Julian Alvarez. Ah, il peut prendre sa chance. Ah, le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Le danger est écarté. Oui, vas-y. Ah, t'es trop lent. Eh oui, c'est bien vu ça. Ouh, oui, Patricio, le sauveteur. Qu'est-ce qu'il faut encore là, lui? Eh bien, tiré dans la surface. Le ballon est sorti, 6 mètres. Smalling. Zalewski. Ah, il mène au score, du coup, garde au maximum le ballon. Voilà, nous connaissons maintenant le temps additionnel. Une minute en plus minimum. Nicolas Zalewski. Eh oui, il y a la place pour un bon centre. Et donc, on va en rester là. C'est la fin. En vrai. Oh, je jure.
Ah bah, la Juve a perdu et l'Inter a gagné, donc Inter champion. Hein, comment ça, donation compétition? Quoi? Y a un bug. Et pourquoi? Un truc que je vais piger. Le 16ème? Je suis même pas européen? Y'a un bug. Bon, écoute, bon, ça me va, hein, mais. Ah merde. Ah, je crois que c'était grâce à ça en fait. Il y a juste ça et ça, vas-y, c'est pas grave. Pourquoi j'ai autant d'argent? Je sais que j'avais bien fait pour tout gérer tout ça, mais. Dans Naples, champion. Attends, la hauteur aujourd'hui, moi, c'est ok, on s'en fout. Naples a gagné la LDC, genre. Ah non, le Barça, ok. Putain, Naples-Barça en finale. Putain, il y avait Naples-Milan. Ah ouais. La Roma a perdu. Ok. Putain, la Juve, sérieux. Oh, incroyable. Trop bien, ça, Nice. Chelsea. Wow. Okafor est meilleur buteur devant Lautaro. Un but près. Vas-y, on va voir qui sont les leaders. Oh, Dortmund, incroyable. Ok. Là, on n'est pas choqué. S'il y a un truc bizarre dans le classement, non. Real. Putain, une défaite. Oh la vache. Effrayant, la différence de but quand même. Ça, on s'en fout. Tiens, Ligue 2. Bon, là c'est pareil, ok. Cagliari à la Cremonese qui va remonter. Et l'un de tout cela. T'as Frosinone quand même. Miskin, tu vas me regarder quand même. Ajax, ouais. Et Benfica, ok. Eh bah, ok, écoute. Hein. Putain, mais si on a 70 millions, c'est trop bien. C'est juste trop bien si on a 70 millions. Pourquoi on a. Je comprends pas en fait. 70 millions, je pense pas qu'on ait tiré autant quand même. Parce que je sais que j'ai fait quand même pas mal de ventes, tout ça, mais. Enfin, je sais pas. Je trouve c'est beaucoup.
Je trouve que c'est beaucoup. Oh merde, je peux plus regarder les trucs d'équipe. Bon, tant pis. Pas grave. Normalement, je suis pas viré, j'étais à 89. Nietzsche qui arrive aussi. Non? Normalement, il y avait Kronitch. Pourquoi on a encore Darmian? Attendez. Ça, en vrai, on va pas toucher. Beaucoup aimé le maillot. Peut-être le gardien, éventuellement. Ah, ça c'est pas mal. Alors, je garde le vert. Ouais, non, c'est trop ressemblant avec l'extérieur. Ça, j'aime bien, ouais. Vas-y, on va faire ça. T'as quoi vu celui qui est à gauche? Faire ça plutôt. Vas-y. Le truc, on va pas le changer. Voilà. Kronitch. Ouais, bon, du coup. D'Angelis, il sera pas vendu, hein, cherche pas. Hein. D'Angelis ne sera pas vendu. Et on va stopper l'épisode là et on va faire le mercato au prochain. Tout est sous contrôle. Hop. Ah, du coup, il y a qui est remonté? Le troisième club. Cagliari, Cremonese, Zabwe. C'est la Samp. C'est la Samp. Ouais, c'est la Samp. Attends, du coup, nous, est-ce qu'en Copa, vu qu'on est quand même dans le top 8, normalement on devrait être dans les 8e direct, non, du coup? Je sais pas. Il y en a pas, Kronitch. Pourquoi? Il est là. Là, je vois pas le joueur. Pourquoi? Et là, il est là, ok. Ouais. Oh, je sais pas du tout. Je sais pas. Vas-y, sur ce, je vous laisse là, du coup. Salut.